Ce vendredi, 4122 fidèles témoins de Jéhovah de la zone Butembo Swahili ont été présents en ces premiers jours dans les terrains de l'Assemblée générale de Vitiaï. Le thème de cette assemblée au niveau mondial est « Soyons patients ». Pour ce premier jour, les assiettes passent au podium l'un après l'autre pour les prédications par rapport au thème choisi. Moïse Kalubenge, porte-parole locale de l'Assemblée générale de la zone Butembo, se réjouit de la reprise des rassemblements dans son église, des événements suspendus depuis 2019 à cause de la COVID-19. Qu'à cela ne tienne, des kits de lavage des mains ont été placés en termes de prévention des maladies. Les fidèles ont le plaisir de revivre ces bons moments des rassemblements pour se rencontrer et partager avec des amis. Ils invitent d'autres habitants de Butembo à les rejoindre. Je vous garantis que vraiment, nous sommes une famille réunie et tant que témoin de Jéhovah dans le monde entier. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas une très grande différence entre ma famille biologique et mes frères et sœurs témoins de Jéhovah. Le programme d'aujourd'hui nous a aidés à imiter la patience de Jéhovah. Et en plus, nous savons que la patience est une qualité importante comme c'est un fruit de l'Esprit Saint de Dieu. Qualité qui est indispensable pour tous les chrétiens. C'est ainsi que le programme d'aujourd'hui, vendredi, a insisté sur les différentes facettes dans lesquelles nous pouvons relever les défis de la vie quotidienne et continuer à refléter cette belle qualité qu'est la patience. En plus, nous avons imité la patience de ceux qui nous ont précédés dans le service de Jéhovah, des hommes fidèles comme Job, comme Joseph et d'autres, afin que nous puissions terminer notre course terrestre. En fait, je suis tellement contente, en fait, parce qu'au lieu de faire des années, ça se rendra ça, je suis contente. Et souvent, le titre de notre assemblée concerne comment être patiente. Ça m'aide vraiment parce que nous vivons les derniers temps. Il faut être consciente et attendre que Jéhovah vous aide aussi. Cette assemblée de 2023 va se passer en trois séries. La première épisode va de ce vendredi au dimanche 6 août 2023.